Cathy? Pas si fort! Nos clients dorment encore! Voilà le courrier du cheval blanc. Oh ben merci, Cathy. Dis, tu n'aurais pas vu Zenzi par hasard? Elle n'est pas rentrée hier soir. Die hat sich eine bessere gefunden. Elle a trouvé sûrement mieux que toi. Chevrière infidèle. Chevrière quoi? Tu n'as pas honte de me laisser dormir seule pendant ces chaudes nuits d'été? Oh, monsieur le maître d'hôtel, ne te fâche pas. Je travaille, moi. Tu me trompes, j'en suis sûre. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Elle est bien, ma coccinelle. Laissons cet idiot. Sa Majesté l'Empereur. Ah, mesdames et messieurs, quelle impatience! Sachez que l'on va moins vite en se hâtant. Messieurs, dames, croyez-en mon expérience. À quoi bon se presser? N'avons-nous pas le temps? Regardez ce soleil qui réchauffe nos cœurs. Ne le trouvez-vous pas à l'amour tout pareil? Il nous brise de sa douceur. C'est la joie et le bonheur. Allons, mesdames et messieurs, soyez heureux. Café bien chaud, tu t'es bouillant. Un peu d'amour non moins brûlant. Avec sourire mal affiliante, ça vous fera 2,50 €. Croissant doré et le baiser du beau garçon, 3 francs tout. Une tasse de lait dans un grand bol. Je suis là, me voilà, me voilà. Me voilà, me voilà, me voilà, me voilà. Voilà, je suis là. Ah, mesdames et messieurs, j'ai beau me débattre, je vous le redis pour la 10e fois. Pour payer, pour payer. Mais je ne peux pourtant pas couper
je deviens sourd, car vous criez comme des putois. Regardez ce soleil qui réchauffe nos cœurs. Ne le trouvez-vous pas un amour tout pareil? Le pourboire est notre bonheur, notre joie, un malheur. Ils ne laisseront pas un rotin. Crois-tu ces mufles, ces radins qui se défilent sans vous laisser de pourboire? Tous des rastilleurs! Et vous vous y connaissez. Et qu'est-ce que je te dois? 34 francs 8 tantes, mon vieux. Non, c'est vrai? 34 francs 8 tantes, 80, mon cher. Oh, c'est effrayant. Et tout ça pour elle. Mais pourquoi offrir des roses anonymes tous les jours à la patronne? Ah, tais-toi! Cette femme, dès qu'elle me regarde avec ses yeux de flamme, c'est l'enfer, que dis-je? C'est le ciel, une béatitude si profonde que j'en deviens marteau. Tonnerre! Le premier qui dit encore un mot, ouh, je lui flanque une paire de calottes à faire trembler toutes les vitres de la maison. Oh, quel charme exquis, quelle douceur! Ah, Léopold, dites-moi, Léopold, qu'est-ce que nous donnons aujourd'hui comme entrée? Des puits d'amour. Des puits d'amour! Oh non, Léopold, vous avez fini de me regarder avec ces yeux noyés. Je trouve ça charmant chez un petit veau. Mais j'ai horreur de ça chez les maîtres d'hôtel. Madame! Quoi? Madame Josée! Ma Zézée! Assez, hein? Je ne suis pour vous, sachez-le, Léopold, que Madame Maria Gabriela Josepha Vogelhuber Steinlechner, la patronne du Cheval Blanc. Et je vous prie de bien retenir ceci. Depuis 2 ans, j'ai eu 5 maîtres d'hôtel. Oh, au commencement, ils étaient tous de braves types et sérieux. Mais dès qu'ils se sont mis à me faire des yeux de veau, comme ceux que vous me faites en ce moment, là, savez-vous ce que j'ai fait, moi? Je les ai flanqués à la porte. Alors, vous êtes prévenu, mon petit Léopold, si vous ne voulez pas compléter la série. Oh, vous êtes si jolie, si ravissante, si affolante. Oh, la paix! Oh, j'ai pour vous un sentiment si débordant. Oh, il faudra bien que ça déborde un jour. Oui, bah, allez déborder, mais ailleurs. Une fois, rien qu'une fois, mamie, pardonne-moi d'être indiscret. Du journal où j'ai noté ma vie, je veux te dire le secret. Pour être un jour aimé de toi, je donnerai ma vie. Écoute mon cœur en émoi, qui t'aime et te supplie. C'est toi la seule qui m'enchante. Oh, ne sois pas méchante. Enlève-moi mon souci et dis-moi que tu m'aimes aussi. Vous battez mon ami la prologue et vous l'avez dans vos yeux. Votre rêve et vos soucis, je m'en moque et je vous prie d'être sérieux. Pour être un jour aimé de toi, je donnerai Léopold, ma vie. Soyez convenable. Écoute mon cœur en émoi. Léopold, qui t'aime et te supplie. Allez mettre vos tables. C'est toi la seule qui m'enchante. Ne sois pas méchante. Vos soucis, j'en ai assez. À la fin, pendant ce temps, mes clients ont faim. Et te supplie, c'est toi.
secouez-vous et votre plus gracieux sourire, hein? Oh, et le bateau qui va arriver d'une minute à l'autre. Oh, Léopold, mon petit Léopold, le plus important de tout, que la chambre avec balcon, le numéro 4, soit parfaitement en ordre. Oui, oui, pour cet avocat, pour ce Florès, ce beau parleur de Paris. Ce monsieur Guy Florès est assurément le plus délicieux et le plus fidèle de tous nos clients. Et il ne va pas tarder à arriver. Ah, vous croyez? Bien sûr, puisqu'il s'est fait annoncer par ses messagères anonymes. Oh, eh bien, Madame Maria Gabriela Josepha Fogelhuber, Nechstein-Lechner, j'étais bien décidée à ce que jamais un mot ne sorte de mes lèvres, jusqu'à ma mort. Mais puisque Madame porte mes fleurs, parce qu'elle croit qu'elles viennent de son Florès. Comment? Mais c'est vous, Léopold, qui m'envoyez chaque matin des roses en signant ton petit escargot. Ton petit escargot d'amour. Oui, madame. Tenez, voilà ce que j'en fais de votre rose. Madame, avec cette rose à la main, je vous demande encore une fois... Chut! Plus un mot. Allez, allez, tout le monde en place. Honorer de sa présence cette année. Oh, il arrivera par le second bateau. Convenu donc, la chambre avec balcon réservée pour lui. Qui est-ce qui commande ici? Vous ou moi? Monsieur, vos billets, s'il vous plaît. Les billets? Les billets du bateau, je vous les ai déjà montrés. Et je vous les ai rendus. Ah ouais, eh bien, il fallait pas me les rendre. Oh, mais vous avez dû les mettre dans une poche. Mais qu'est dans mes poches? Il est fada, celui-là. Allez, au large, le marin d'eau douce. Oh, papa. Oh, papa. 10 francs. 10 francs, ils nous ont pris pour cette minable traversée. À Marseille, avec 3,50 francs, on m'amène de la canne-bière au château d'If. Et avec la différence, je peux me payer ma portion de supillon. Tiens, madame le garçon. Garçon, vous avez des suppillons? Plaît-il, monsieur? Plaît-il, monsieur? Encore un fada. Sachez, mon brave, que quand j'ai voyagé par bateau, je mange toujours des suppillons. Enfin, dans les pays qui se respectent. Chez nous, par exemple, à Marseille. Ah, monsieur est de Marseille. Oui, monsieur, la première ville de France. Je m'étais laissé dire que Paris... Mais qu'est Paris? Il n'y a que le cœur qui compte. Et le cœur de la France, c'est Marseille. Oui, monsieur. Oui, monsieur, et je vous le prouve. C'est quoi l'hymne national de la France? La parisienne? Eh non, c'est la marseillaise. Donnez-moi la carte. Voilà, monsieur. La carte! Oui, je l'ai fondue. André. Merci. Vous dites qu'il est menu, ce menu.
Wiener Schnitzel. Oui. Eh bien, moi, je ne comprends pas le tyrolien. Vous n'avez pas un menu en français, non? Non, il n'a pas, non. Nous sommes tombés dans une tribu de sauvages. Bechel. Un Bechel. Kézako. Un Bechel. Oui, monsieur. Ça se mérite, monsieur. Ça se tire des intérieurs de la bête. Oh, oui. Ça se coupe. Ça se hachemenue avec violence et passion. Ça se regarde mijoter pendant des heures, des jours, des semaines. Et puis, quand il est bien revenu, ça se saupoudre de sel, de cannelle et de beaucoup d'amour. C'est ça, un Bechel. Un boudillon que ça pue. Et vous voulez me faire manger ça au petit déjeuner? Non mais vous êtes fada, vous les Autrichiens. Donc on y est, faites-moi une bouillabaisse. Une bouille à quoi? Ah, parce que vous connaissez pas la bouillabaisse. Alors écoutez bien, monsieur. Vous prenez des oignons, que vous hachez menu. Vous les faites revenir. Vous rajoutez une pointe de pastis. Et là, vous mettez les rascasses, les girelles, les rouquets, les roucaux, le soupalan, les... Bon, allez, laissez tomber. Sylvain Bell, on part à Bandol. Oh, le Tyrol est si joli, papa. Tu verras comment nous y sentirons bien. Mais non, parce que moi, je suis incapable de me sentir bien. Autre part... Qu'à Bandol. Vous connaissez Bandol? Hélas, non, monsieur. Ah, la première plage française. Oui, enfin, la première en venant de Marseille. Ouais, ben d'abord, il y a la mer. Très souvent sur les plages. Faites le mariole avec votre lac. Oh, pas qu'un seul, monsieur, mais 13 au moins. De pauvres eaux dormantes qui bougent même pas. Oh. Et puis entre ces montagnes, vous vivez dans un entonnoir. Tandis que chez nous, monsieur, à Marseille, il y a du soleil tout le temps de partout. Même à l'ombre. Ah, et pour mon appartement, il me faut 2 chambres, dont une avec le balcon. Avec balcon. Mais taisez-vous, arrêtez de parler tout le temps. Laissez un peu la place aux autres qui vous l'expliquent. Enfin, écoutez, je suis d'une nature un peu coléreuse. Ah, oui. Alors, si je vous dis qu'il me faut un balcon, il me faut un balcon. Vous vous jetez très souvent par les fenêtres. Mais non, espèce de fada. Mais quand je vais sur le balcon, j'inspire l'air frais et j'expire ma colère. Oh! Oh! Il n'a pas l'air de comprendre. Malheureusement, de chambre à balcon, il n'en reste qu'une et elle est déjà retenue. Mais comment ça, monsieur? Mais à Bandol, j'en ai eu jusqu'à 8. Une fois, j'en ai eu 12 de balcon et dans la même chambre. Calme-toi, papa. Nous arriverons bien à nous caser. Certainement. Tenez, mademoiselle, si vous voulez bien remplir la fiche. Oh. 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 Sylvain Bell. La plus belle. Et là, gardez les distances, Frontadou. Accompagné de son père, Napoléon Bistagne. Pardon, j'ai bien entendu Napoléon. Lui, moi-même. Ah, mais j'ai un message pour monsieur Napoléon Bistagne. Je vous l'apporte tout de suite. Non. Qui ça peut-il être? Mais sûrement de ce Cubisol. Au sujet de notre procès, ou alors de son avocat, là, ce maître Guy Florès, cette baboite parisienne, cet avocat pour les figues. Pardon, est-ce que votre excellence ne vient pas d'accoler le mot figue à celui d'un certain Florès? Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Donnez le message. Au fond de Dieu. Monsieur Napoléon Bissagne, veuillez désormais adresser toute correspondance à mon excellent conseil, le jeune Guy Florès. Vous reverrez que pour recevoir dommages et intérêts, considération distinguée Cubisol. Oh, quelle insolence! Ça mérite une réponse cinglante! Je vais te la cingler, voilà la réponse! Garçon, écrivez! Aïe! Vous répondrez par un seul mot. Merde! Taisez-vous! Je reprends le texte. Suis Tyrol. Silence religieux des montagnes. Des montagnes. Oh, la rapide! Mais vous avez fini de faire l'écho. Pardon, monsieur. Je reprends. Foutez-moi la paix. Oh, foutez-moi la paix!
Quant à votre maître Guy Florent. Ah, pour celui-là le mot, hein, dans la noble simplicité de ses cinq lettres. Mais taisez-vous, le domestique. Vous me faites perdre le fil. Il me fait perdre. Je sais plus. Quant à votre maître Guy Florent. Oui, quant à votre. Ah oui, qu'il ne se présente jamais devant moi s'il veut garder intacte sa figure. Quand je dis figure, je suis poli. Et en l'absence de toute considération, je signe Napoléon Bissagne. Voilà, c'est tapé, ça, non? Ah, superbe, monsieur! Énergique! Votre grand homonyme n'a jamais fait mieux dans ses proclamations. Napoléon Bissagne? Oui! Laissez-moi vous embrasser. Bon, et ça suffit comme ça, là, la ventouse tyrolienne. Je cours l'envoyer et je reviens tout de suite. Oui, cours, ma fille. Ah, vous êtes un chef, excellence. Et savez-vous, monsieur Bissagne? Non. Je vous donne le numéro 4. Mais non! La chambre avec le wagon. Parfaitement, je vous le donne, moi, Léopold. Et je suis sûr que vous finirez par crier. Ce Tyrol, il est encore plus épatant que Bandol. Oui, alors ça, quand les poules auront des dents. Qui est-ce? Oh, fallait. C'est pour moi. À chaque fois que je rentre dans ma chambre. Oui, monsieur Bissagne, nous ne réservons cela qu'au VIP. Au VIP. Eh bien, le VIP vous salue. Et je fais monter vos bagages, monsieur Bissagne. Faites monter, Léopold. Faites monter. Tenez le casque. Parfaitement, jeune homme. Mais que va dire la patronne, la chambre de son cher Florent? Oh, ne prononcez plus jamais ce nom-là devant moi. Si jamais il revenait ici, j'en ferais. On s'en ferait de la bouillabaisse.
plaisir de vous revoir. Oh, quelle joie de vous retrouver, Joséphine. Venez, cher Guy. Je vous laisse entre les mains expertes de mon nouveau maître d'hôtel. Léopold, prenez bien soin d'enregistrer Monsieur Florès au numéro 4. Je vous laisse. Je reviens dans un instant. Bonjour, Léopold. Alors, comme ça, vous êtes le nouveau maître d'hôtel. Vous m'avez l'air d'un brave type. Le temps est beau cette année ? Il pleut tout le temps. Parfait ! J'ai justement besoin d'un air très humide. Et la nourriture ? Immangeable. Tiens, il y avait une si bonne cuisinière l'été dernier ? Elle est morte. Tant pis, ou plutôt tant mieux. J'ai justement besoin de perdre quelques kilos. Pas vraiment vieux. Ah non, maître s'il vous plaît. Car moi aussi je suis maître. Maître d'hôtel, monsieur. Allons, montons à ma délicieuse chambre numéro 4. Ah tiens, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Ah, permettez, cette chambre est la mienne. Erreur, estimable vieillard, j'avais réservé cette chambre. Erreur, je ne foutriquais puisque j'y suis. Allons, ne faites pas la bête. Oh, je la ferai jamais aussi bien que vous. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, le maître d'hôtel ? Le maître d'hôtel ne rit pas, monsieur. Il sourit. Salut, Froluquet. Je rentre dans ma chambre numéro 4. Bravo, Napoléon. Hey. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Oui. Et qui vous a conduit à cette chambre ? L'escalier. Bien évidemment, mais encore. Mais pardi, votre maître d'hôtel. Peut-être est-il fallu que je loisse un guide pour y monter. Comment, Léopold ? Mais vous avez donné le numéro 4 ? Moi, madame ? Mais sans doute, madame. Je ne me laisse guider que par l'intérêt de la maison, moi. Je n'aurais jamais commis la folie, moi, de mécontenter un client d'une importance considérable. Allons ! Cela fait 7 années que monsieur occupe cette chambre. Ah ben très bien, la 8e, il sera si content d'en avoir une autre, hein ? Pardon, monsieur, mais ne suis-je pas dans la possession de l'acceptation de madame l'hôtelière ? Il y a donc contrat de location. Et je prétends, messieurs de la cour, enfin, monsieur, en ma qualité de juriste... Ah, parce que vous êtes un juriste ? Oh, boudir ! Alors écoutez bien ceci. Primo, il n'y a pas une engeance au monde qui me dégoûte plus. Deuxio, je reste dans cette chambre. Et si vous continuez à me pomper l'air, j'y resterai jusqu'à la Saint-Sylvestre. Oh, monsieur ! De l'année prochaine ! Et je vous dis, moi, primo, que le maire, à ma parole. Et Deuxio, que la patronne du cheval blanc n'a jamais manqué de parole. Allez, ouste, monsieur. Délogez. Non, madame, je ne ousterai pas. Même pour un empire, je ne ousterai pas. C'est ce que nous verrons. Brezel, Strudel. Descendez les bagages du numéro 4. Et là-haut, doucement, les branquignoles. Bon, écoutez, madame, puisque vous agissez de cette façon, sachez que moi, je suis un homme bien élevé. Je m'incline toujours devant la force. Voilà. Non, ma fille, non, inutile de monter. Nous sommes expulsés de nos appartements par cet aimable gentleman. Mademoiselle. Ah, c'est vous, monsieur. Comment, hein? Le gentleman assez accompli pour déloger brutalement une jeune fille. Mademoiselle, j'ignorais. Où sais-je su qu'une jeune dame occupât aussi cette chambre? Non, non, halte là. Remontez tout de suite ses bagages. Eh bien, Sylvain Belle, qu'est-ce qui arrive? Mais papa, que monsieur a la gentillesse de renoncer. Comment ça, tout d'un coup? Non, merci, non, non, non. Les cadeaux des juristes, ça coûte trop cher. Redescendez les bagages. Oh non, mon petit papa chéri, ce monsieur était si gentil. Restons, je t'en supplie. Remontez les bagages. Alors je vais être obligée de mettre ma propre chambre à la disposition de monsieur Florès. À la disposition de qui? Permettez-moi de me présenter, maître Guy Florès, avocat à la cour. Alors vous seriez ce sale... Papa! Ce salarié de Cubisol
Redescendez les bagages. Mais monsieur, je ne comprends pas. Ah ben vous allez comprendre. Je suis Napoléon Bistagne. Bistagne, de Marseille. De Marseille. L'homme de la combinaison. L'homme de la combinaison. Et jamais, jamais je ne consentirai à vivre sous le même toit qu'un représentant de Kémissol et de son minable système qui vous tourne par derrière. Monsieur, ne vous désénervez pas. Ah, mais je suis pas. Nous allons trouver une solution. Je m'en occupe personnellement. Si vous voulez bien avoir la gentillesse de m'accompagner. Avec plaisir. Voilà. Viens, ma chérie, viens. À bientôt, mademoiselle. À bientôt, monsieur. Dites, monsieur Leopold, vous aussi vous avez remarqué, le Parisien n'a plus d'yeux que pour la jeune Marseillaise. Si la petite s'amourachait de l'avocat et qu'elle l'emmène dans sa canne guerre, ça serait magnifique. Joseph a vexé, Joseph a plaqué, Léopold vengé. Maître d'hôtel, vous n'auriez pas vu mon père, je l'ai perdu. Non, mademoiselle. Où va-t-on nous loger ? Oh, écoutez, mademoiselle, je vais vous indiquer une chambre, moi. Ah, la chambre rêvée. Dans un palace ? Ah là là, encore plus affolant ! Une demeure paradisiaque, pleine de poésie, et avec une vue féerique d'apothéose. Mais où ça, monsieur Léopold ? Par ici, mademoiselle. Je reviens tout de suite. Bien, mais dépêchez-vous. Piccolo ! Tu vas tout de suite courir après le Parisien et lui dire que la jeune fille de Marseille l'attend dans une demeure paradisiaque. Où ça ? Dans la cabane aux vaches ! Monsieur,
Il faut pourtant bien que vous sachiez que je me sens divinement bien à Saint-Wolfgang depuis que vous êtes arrivé. Savez-vous que, d'après une légende locale, il suffit de poser la tête sur l'épaule de celui ou celle, ou même, et de fixer les eaux du lac pour que celles-ci deviennent toutes bleues, et que les gens et les choses prennent immédiatement l'aspect féerique du ciel le plus bleu. Extase nouvelle, splendeur que je vois, mon rêve a des ailes, quand je suis près de toi. Méchante, enlève-moi mon souci et dis-moi.
c'est vrai? Vous nous quittez? Mais c'est elle, mon petit m'a bien aimé, qui me fout à la porte. Que c'est triste. Oui, mais partir, c'est mourir un peu. Mourir, c'est partir tout à fait. Ne pleure pas comme ça, Piccolo. Je ne pleure pas, je ne pleure pas. Je... C'est pas... Alors, adieu, Piccolo, mon ami, mon frère. Oui, 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 oui. Adieu. Ah, mesdames et messieurs, quelle impatience! Je vous le dis pour la première fois. Cette terre de montagne. Bonjour, Madame Josepha. Alors, vous avez bien dormi pour votre première nuit? Oh, divinement. Délicieusement. Un cortège de rêves adorables. Toujours bleus. Oh, qui s'exprime bien. Et dès le lever du jour, cette vie enchanteresse, ça n'existe qu'à Tyrol. Oh, quelle galanterie! Quel poète! Je voudrais vous dire un mot. C'est important? Très! Je vais d'abord chercher votre café avec la crème fouettée, des petits craquelins tout chauds et du miel de mes abeilles. Je vole! Dites donc, elle est amoureuse de vous, la patronne. Ah, Sylvabelle, que m'importe nos autres femmes tant je suis inspirée, guidée par notre amour. Si vous le voulez, demain, nous partons de bon matin. Être seul avec vous, mon cœur bat très fort. Donnons-nous rendez-vous, rendez-vous. Je vous emmènerai sur mon joli bateau. Voguer au fil de l'eau, il n'est rien de plus beau. Et d'être à de rêve en contre la voile blanche qui frémit et se penche au gré du vent. Venez ma belle, n'importe la fleur, ouvre son oeil et me glisse au vent.
für sie ist ein Scherz, was für mich ein Schmerz. Ich glaube, sie hat kein Herz. So schau gar die Welt, so schau gar die Welt, wenn ich nicht selber bin dabei. Bricht mir das Herz entzwei. Oh! Boudillo, que j'ai mal dormi. Alors j'ai dû fumer le cigare toute la nuit. Ah! J'ai le dos cassé en 12. Ah! Ah! Eh ben, après une nuit pareille, il va me falloir un bon petit déjeuner. Ah, il est là, l'oiseau. Léopold ! Hé, Léopold ! Ah, Léopold est désolé, monsieur Bistagne. Mais Léopold n'existe plus. Il s'est vaporisé, Léopold. Il a explosé en plein vol dans la prime fleur de sa jeunesse. Bon, hé, arrêtez de faire votre pleurnicheuse et amenez-moi un grand pot de café. Un café ? Mon cher Napoléon, vous seriez gentil de m'apporter le mien ? Boudillo, lui, il a dû s'endormir en plein cagnard. Non, mon petit Napo. Je redeviens tout simplement homme du monde. Et comme homme du monde, je vais vous faire boire un petit vin du pays. Ah, ça, ça. Et nous pourrons faire mieux encore. Nous irons offrir nos cœurs à quelques demoiselles de haut luxe. Des demoiselles de haut luxe dans ce trou perdu. Oui, monsieur, et qui me courent toutes après. Oh, ne faites pas attention, il est complètement baboule parce que je l'ai renvoyé. Ah bon ? Oui, Léopold a été balancé, mais Léopold s'en balance. Et il va prouver qu'il en a aussi, lui, du sexe à pile. Oh. Eh bien, je la retiens, votre boîte. Un maître d'hôtel qui me parle de son sexe à pile. Une hôtelière qui me fait dormir sur un canapé rembourré avec des noyaux d'olive. Oh, vous auriez si mal dormi, monsieur Bistard. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Oh, mais si vous ne vous abîmiez pas toujours la figure en faisant de vilaines grimaces. Blablabla. Mais vous seriez un très bel homme. Ah bon, vous trouvez ? Mais oui, vraiment. Surtout avec ce mini-short. On me pointe comme ça sur la canebière, c'est direct à l'asile. Oh, ce que vous êtes drôle, monsieur Bistard. Oui, blablabla. Oh. Je le vois, votre truc. Mon truc ? En plume. Supplément égale compliment égale supplément, voilà. Voyons, quelle idée, monsieur Bistagne. Mais l'argent ne compte pas ici. Ah bon ? Ouh, ce que j'aimerais vous faire faire une bonne cure. Une cure de quoi ? De bonne humeur. Le monde est beau, le monde est beau. Moi, c'est revenu, quel soleil. Il est content, son mari nous éclate sans pareil. Écoutez bien, l'air enfin du pays qui revient. Tout chante ici, et puis va chanter aussi. Oh, je m'en ai dit, il est grand, il est dit, on s'en va. Tant que le chanteau, oh, le pays, tant que le pays, le pays, le pays, le pays, le pays, le pays, le pays. Thank you.
was da ja mau, ja glaubt mir's gewiss. Wo die Sennerin singt und wo ein Jutz erklingt. Und mein lieber Herzog Johann ist. Jolo, Jolo, Jolo. Thank you.
vous êtes prêts? Oui. Bien. Alors écoutez, quand je fais comme ça, vous chantez. Oh! Faites-moi ça une fois. Oh! Wow! Et ça doit vraiment être relâché. Archaïque! Ça vient de la terre. Maintenant, faites encore une fois, vraiment, relâchez-vous. Oh! Oh! Ah, merci beaucoup. Pourquoi pas tout de suite comme ça? Maintenant, on va chanter la voix de tête. Elle est céleste. Elle est angélique. Et on chante. Ouh! Faites-moi ça. Ouh! Super, il n'y a personne qui chante fort, c'est bizarre ça. Ok, alors maintenant on fait le changement radical de la voix de tête à la voix de poitrine et puis on fait le karaté. Vous pouvez faire ça? Mais attention, pas comme ça, hein, pas contre le voisin. Hein. Et vous allez faire. Ouh! Est-ce que vous avez des questions? On essaie une fois, et on essaie, hein? Faites-moi ça. Oui, c'est très timide. C'est trop timide, il faut le lâcher. Encore une fois. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors maintenant, quand je fais comme ça, vous chantez « oh » et quand je fais comme ça, vous chantez « ou ». Alors, on essaye une fois. Oh. Oh. Ah, c'est bien. Et puis, avec la mélodie, ça fait... Attention, il faut être prêt, hein. Ça va vite. 1, 2, 3, 1, 2. Ya la la la. Non, vous n'êtes pas assez vite. Il faut être prêt. Alors, on essaye. Vous êtes prêts? Tout le monde. Oui. Ce doigt aussi. Oui. Jusqu'en dernier, là, hein. Alors, on va chanter tous ensemble avec beaucoup de cœur. Yololo, ou, oh, et puis je vais vous guider avec la chanson. 1, 2, 3, 1, 2. Yololo, ou. Monsieur de Bistagne. Et moi, tu ne t'occupes plus du tout de moi. Mais tu ne comprends donc pas. Depuis que monsieur Léopold est parti, tout repose sur mes épaules. Je n'ai pas assez de mains pour tout ce qu'il y a à faire. Il y a le ménage. Oh, chérie, tu te souviens quand tu étais si gentille avec moi? C'était le bon temps. Ben là, j'ai pas le temps. Pas le temps? Très bien. Viens. Mais... Ma Zézé. Quelle santé! Eh bien, il commence à me plaire furieusement, ce joyeux Tyrol, avec sa charmante aubergine, ses appétissantes servantes. C'est prêt, ces montagnes très très hautes, c'est prêt très, très bas, ce sont lacs très,
Très profond. Monsieur de Bustagne. Oui. Un message urgent pour vous. Merci. Merci, mon brave. Merci. Oh, fan d'Aïdou. Qui est-ce? Je te le donne en mille. Un million. Un milliard. Cubisol. Cubisol. Arrive vendredi 2h. Venez me chercher, gare. Mais c'est aujourd'hui, dans 10 minutes. Oui, ben je vais te le recevoir, madame Durine Séros. Allez, viens. On va à la gare. Et tu vas voir un peu. Toujours le beau Célestin. Mais ben allez, allez, ça va. On dirait Cacatoès. Merci. Vous savez, monsieur Bistagne, mon père m'a souvent parlé de vous. Ah ouais? Ouais, comme d'un type formidable. Ah ouais. Mais dur en affaires. Il a raison. Et de vous voir devant moi dans ce beau costume, je vous le confesse de toute ma sincérité qu'il a raison. Il a la classe, mon bistou. Et en plus, il se fout de moi. C'est épouvantail à Gabian. Allez, va te jeter au lac. Allez, viens, ma chérie, viens, viens, viens. Calme-toi, papa. Excusez-le. Non, je comprends, il est jaloux de mon physique. Ouais, c'est forcé, je plais. Je plais beaucoup. Petit enfant dans mon berceau, j'étais déjà très beau. Depuis, en vérité, ça n'a fait qu'augmenter. Des femmes de tous les pays, je suis le favori. La petite minouche et le coco chéri. On a le béguin, on a le béguin pour ma silhouette. Mon élégance, ma souplesse et mon maintien. On a le béguin pour la couleur de mes chaussettes. Mon vrai sourire et mon fin profil atteignable. On a le béguin pour mon esprit, mes belles manières. Ma taille de guêpe, mon teint de lisse, ma peau de satin. Je n'y peux rien, j'aime autant me laisser faire. On a le béguin pour Célestin. Lorsque j'arrive au restaurant, tout le monde est sur les rangs pour me regarder passer dans mon veston pincé. Les femmes du monde sont ébahies, les chèvres ont ahuri, répandent partout la sauce du rôti. On a le béguin, on a le béguin pour ma silhouette, mon élégance, ma souplesse et mon maintien. On a le béguin pour la couleur de mes chaussettes, mon vrai sourire et mon fin profil atteignable. On a le béguin pour mon esprit, mes belles manières, ma taille de guêpe, mon teint de lisse, ma peau de satin. Je n'y peux rien et j'aime autant me laisser faire. On a le béguin pour Célestin. Célestin Cubisol, que les dames appellent toujours le beau Célestin. Comme les clientes de mon cheval blanc vont être contentes. Brezel, strudel,
Prenez les bagages de monsieur. Ah oui, madame Josepha, laissez-moi vous présenter le professeur... Inselma. Ah, c'est ça. Éminent spécialiste en... En tétrapilectomie de l'université de Porrentruy-sur-Mer. Ah, c'est ça. Et sa ravissante fille, Clara. Madame Josepha, hôtelière du célèbre Cheval Blanc. Madame. Monsieur. Mademoiselle. Oui, nous nous sommes rencontrés dans le train. Si jamais vous pouvez leur faire la moitié du prix d'échange, je paye le reste, moi, il n'y a pas de problème, j'allonge. Je comprends, ouais. je comprends. Mais chère madame l'hôtelière, dites-moi donc un petit peu, combien coûte dans votre auberge deux petites chambres sans électricité, sans service, sans papier toilette, sans femme? Mon cher professeur, je peux très bien vous faire la pension complète pour, disons, 3 francs par jour. Pour nous deux? Mais c'est pas cher, cet hôtel. Alors dites-moi, ben, vous savez, nous adorons voyager, ma fille et moi. Oh, ça se voit tout de suite. N'est-ce pas, Clara? Oui, papa. Mais vous savez, la vie n'est vraiment pas très facile pour nous autres, les savants. Mm-hmm. N'est-ce pas, Clara? Oui, papa. Ah, elle est délicieuse, cette petite. Et l'air très intelligent. Oh, mais, d'ailleurs, à ce moment-là, si vous pouviez aller faire un tour avec... Je comprends. Mon cher professeur, je vous emmène. Ouais. Ces jeunes gens seront certainement enchantés de faire la route à pied. Mmh. Et d'ailleurs, madame Josepha, faites monter une de vos meilleures bouteilles dans la chambre du professeur. Vous savez quoi? La plus chère. Vous êtes gentil, pas ça ici. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Célestin. Merci infiniment. Oui, mon cher professeur, venez. À tout de suite, Clara. Ne vous inquiétez pas. Voilà, tout va bien se passer. Ils sont partis. Enfin, seul. Ouais. Bon, écoutez, ma petite Clara, vous êtes bien gentille, mais quel dommage que vous ne disiez jamais que des mots d'une seule syllabe. Ouais. Je sais pas, soyez un peu plus communicative. Non. Vous savez, ma petite Clara, je vais vraiment finir par me vexer, hein. Je zozote. Quoi? Vous zozotez? Oui, je zozote. Mais c'est délicieux, ça. C'est magnifique. Apprenez qu'un jour une princesse, il a fait messe de m'inviter. Pour la guérir de zozoter. Nous étions en mars, nous attendîmes avril. Aucun progrès utile, car pendant le mois d'avril, on ne se découvre pas d'un fil. Ah ouais. Mais quand par une fois de mai, sur le présent d'hiver bébé, je puis lui faire entendre la leçon la plus tendre. Un petit oiseau se mit à chanter afin de la lui répéter. La belle, au bout de quelques mois, en savait plus long que moi. Ma pauvre enfant me disait ma mère, tu m'exaspères en vérité. Et je ne peux plus supporter. Tu vas suivre les leçons d'un maître subtil, mais c'était au mois d'avril. Aucun progrès sérieux, car en avril, monsieur, on ne se découvre pas d'un cheveu. Mais quand Paris me voit de mai, sur la façon de s'exprimer, il put me faire entendre la leçon.
Oh, femme de Dieu. Pauvre bête. Un gabien. Ah, le voilà. À nous deux. Monsieur Mistagne, je dois vous parler de votre procès. Écoutez, je suis ici pour mon plaisir et non pas pour le vôtre. Alors, pas un mot de notre procès. Il y a du nouveau ? Oui, on a fait suspendre le prononcé du jugement, grâce à moi, de façon à ce que nous ayons le temps de trouver un arrangement. M'arranger ? Moi ? Avez-vous ? Jamais de la vie ! Alors il flanche, l'homme qui boutonne par derrière ? Il flancherait certainement si moi je l'y poussais. Non, merci. Mais écoutez-moi, monsieur. Non, je ne vous écoute pas. Votre voix m'escargasse les tympans. Il faut pourtant bien que vous sachiez. Vous avez fini de me trotter au mollet comme un caniche. Ignorons-nous. Vous savez pas qui vous êtes, je sais pas qui je suis. Vous... Mon amour. Oui. Une lettre recommandée pour toi. Oui. Toujours cette facteuse. Au vaccinodrome, on a dû la piquer avec une aiguille de gramophone. Très honoré, monsieur Mistagne. Et allez, la pommade. Et massez jusqu'à pénétration. Je pense que vous êtes en possession de mon fils qui vous a été expédié hier par mes soins. Mon fils est toujours apprécié du beau sexe. Et vous voyez, me dit ça, au fan des loups. Il me vient une idée de génie. Si le Célestin et ma fille... Oui, justement, c'est pour ça que j'ai invité le jeune homme. Eh bien, voyez, vous n'êtes pas aussi couillon que vous en avez l'air. Oui, j'ai d'ailleurs commencé à préparer mademoiselle votre fille. Je lui ai dit, mademoiselle... Il ne s'agit pas seulement dans cette grave affaire de la tranquillité de monsieur, votre père, mais aussi d'un prétendant qui possède les plus belles qualités de charme, d'intelligence et de fortune. Je croyais qu'il n'y avait qu'à Marseille qu'on pouvait dire autant de paroles inutiles en si peu de temps. Alors ben voilà, il y a ma fille, avec son joli minois. Oui, enfin que le tien. Ma pauvre femme. Seulement, pour que le plan fonctionne, il faudrait que je ne la quitte plus d'une semelle. Je vous donne carte blanche. Merci de votre confiance, monsieur Bistagne. Je peux vous embrasser. Je cours... Non, pas tout de suite, mais je cours rejoindre votre fille. Oh, femme des dieux, femme des dieux. Ça sent bon. Allez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah! Au secours! Au secours! Ah! Thank you.
Oh, c'est divin, cette solitude alpestre. Oh. Monsieur, mais... Monsieur, monsieur, oh là, on m'a violenté, mais enfin mon bon monsieur, calmez-vous, respirez le bon air, le grand air. Le bon air? Oui. Avec tous ces yétis. Oh, mon Dieu. Des yétis? Oui, monsieur, des yétis, venus comme des ours. Avec du lichen de partout, et alors des grands yeux, vicieux. Oh, il y en avait de partout, Mais enfin, monsieur, les yétis, ça n'existe pas. Vous avez dû avoir une hallucination. Mais quelle hallucination? Enfin, je vous dis qu'il y avait des yétis. Je les ai vus comme je vous vois, Palomère. Oh, c'était probablement une hallucination. Vous savez, ça arrive souvent dans les montagnes à cause du manque d'oxygène. Mais je suis parfaitement oxygéné. Et si je vous dis que j'ai vu des yétis... Oh, regardez ce magnifique spécimen. C'est un Xeroconenus balerinus. Vous savez que c'est une variété autochtone qui ne se reproduit qu'au printemps. Alors voilà. Je lui dis que j'ai failli mourir. Et lui, il me parle de la vie sexuelle des champignons. Alors là... Oh. Allô, papa? Oh, ma fille! Ma chérie, oh, que je suis contente de te voir. Je dois te dire une chose, j'ai failli mourir. Mourir? Violé par des bêtes sauvages. Oh, tu fais peur. Oh, bonjour, mademoiselle Sylvabel. Oh, bonjour, professeur Hitzelmann. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, écoutez, j'admire la nature dans toute sa splendeur. Regardez-moi, c'est magnifique. Tiens, hop. Ouh. Ah! Ah là là! Remettez-vous, monsieur Bissard. Remettez-vous. J'ai reçu ce matin une lettre du père Cubizol. Oui. Il exulte de bonheur et se languit d'embrasser sa future belle-fille. Oh, magnifique. Et dites, ça marche le frigo, Sylvabel, ça fricote à peu. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour plaider notre cause. Bien, ma petite, je vous laisse. Je dois rentrer à l'hôtel retrouver ma fille. Je pars, mais monsieur. Sylvabel, je te laisse avec Maître Florès. Il a des choses à te dire. Donne-moi ça, ça me servira. Voilà, merci. Mais dites-moi, vous ne craignez pas de les laisser seuls tous les deux? Ma fille, avec un parisien. Ça risque pas. Allez, boulégame, professeur. Je ne reste pas une minute de plus dans cette forêt maudite. Allez, boulégame. Ah, Sylvabel, je suis fou de bonheur. Que je voudrais te dire, tu le sais. Tout ce que mon cœur désire, tu le sais. Les coups de poutre s'exhalent, mon bonheur trop grand en un chant délirant. Trouve des mots qui t'expriment. Le sentiment qui m'anime.
Majesté l'Empereur, nous ayant fait annoncer de la façon, je n'hésite pas à le dire, la plus inopinée, qu'il assisterait à notre festival. Je vous ai tous convoqués à la hâte, Monsieur le Garde Général Schlumpf. Présent. Monsieur le Docteur Schnapsidir. Hier. Monsieur le Banquier Kitchen-Eichen. Ici. Monseigneur le prêtre, en tout bonne kirche. Amen. Monsieur le maître d'hôtel du Cheval Blanc. Tiens, Léopold n'est pas là. Absent. Monsieur l'instituteur Pemperl. Je suis là. En conséquence, messieurs, la séance est ouverte. Qu'est-ce que nous allons faire? Ah! Notre instituteur Pemperl a une idée? Le plus important de tout, messieurs, n'est-il pas le compliment de bienvenue? Je vous propose ces quelques vers que je viens d'improviser. Vous qui venez ici dans une humble posture, débarrassez vos flancs d'un important fardeau. Nous serons épanchés d'un courant d'ondes pures, l'autel encore fumant de votre impérial cadeau. Bravo! Admirable! Merci, messieurs, de votre magnifique accueil. En vérité, vous me comblez, messieurs. Je vous en prie, Léopold, ne troublez pas notre important réunion. Mais il est complètement sous. Incroyable. Il est un petit peu chilas, votre Léopold, diable. J'ai vu ça. Il a noyé son chagrin dans l'alcool, diable. Il partira ainsi le feu, son idole, diable. Oui, mais jamais il n'oubliera son Tyrol, diable. On aime les Batignolles quand on est parisien. On aime le football quand on est londonien. On aime l'acropole quand on est athénien. On aime le Tyrol quand on est tyrolien. La 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 la. On aime les condoles quand on est vénitien. On aime les si bémols quand on est musicien. On aime le mortol quand on est pharmacien. On aime le tyrol quand on est tyrolien. Il a eu un ami, il a eu un fruit, oui, 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 oui. Voyons, l'empereur, tu vas être sérieux. L'empereur vient chez nous. Quel empereur? L'empereur. L'empereur? Oh nom de Dieu, vous m'avez dessoulé d'un coup. L'empereur? Vous ne pouviez pas me le dire tout de suite. Mais vous n'écoutez pas. Et où va-t-il habiter, notre empereur? Nous allions justement en parler. En parler? Il n'y a rien à dire. L'empereur ne peut descendre qu'au Cheval Blanc. Alors, résultat du vote, adopté à l'unanimité.
Fermez les yeux très doucement et mettez-vous à l'écoute de votre corps. Vous sentez tout votre corps qui devient lourd, lourd comme un cheval mort. Relaxez vos paupières, vos sourcils et les lobes de vos oreilles qui pendent maintenant comme deux décorations de Noël. Plongez-vous à l'intérieur de vous-même, comme un bout de pain dans un carton de fondue, moitié-moitié. Vous sentez votre relâchement? Oui, eh bien, savourez-le. Il circule en vous comme sur les autoroutes désertes de l'arc lémanique. La détente descend jusqu'à votre trou de Tonochka. Vous êtes déçu en bien tellement vous êtes détendu. Vous vous sentez bien ou bien? Vous vous sentez mieux. Madame Josépha! Madame Josépha! Je vous interdis de m'adresser la parole. Je vous ai envoyé du balai. Ça va, chalet ou bien? Vous faites pas partir par des mauvais pendant votre relaxation. Le évacuez-moi tout ce chenille et tout de suite. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Oh, l'empereur a fait annoncer sa venue et il descendra au cheval blanc. Voilà maintenant, débrouillez-vous toute seule, madame. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? L'empereur assistera au cheval et descendra au festival, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais où vais-je le loger? Qu'est-ce que je vais lui faire manger? Oh, ça ne me regarde pas, madame, puisque je ne fais plus partie de la maison. Oh, Léopold, écoutez-moi donc. Vous ne pouvez pas partir. Qui le servirait? Qui le recevrait? Votre gifleresse, madame! Les avocats, est-ce que ça n'est pas bon à tout faire, ces gars-là? Adieu! Léopold! Vous n'avez donc plus d'amitié pour moi. Léo. Montpoldi. Montpoldi. Tonnerre, mais faudra-t-il que je vous le demande à genoux? Voyons, vous n'êtes pas sérieux, Léopold. Tout ce qu'il y a de plus sérieux, à genoux, madame. Oh, ça par exemple. Une fois, deux fois, trois fois, j'ai bien l'honneur. Léo! Léopold! Il ne me reste plus qu'à vous dicter mes conditions. Oh! Silence! Primo, avec P majuscule, vous allez m'évacuer tout de suite le gifleresse du numéro 4. Quoi? À genoux! Sur les deux! Sa Majesté occupera la chambre du balcon. La chambre du Florès, quant à lui... Oh, silence! À deux yeux, je recevrai l'empereur par une allocution bien sentie avec pompe et circonstance. Oh, vous me stupéfiez, Léopold. Jamais je n'aurais pensé que vous puissiez être aussi énergique. Pas de nervosité, ma petite. Allez, allez, allez vous préparer. Oh, Madame Josépha! Oh, Monsieur Léopold, quelle joie de vous voir ici. Oh, toi, tu tombes à pic, ma veste. Vite, doucement, vite, mais doucement aussi. Attends. Ah, bien, fais préparer 40 coups de canon. Comment? 40 coups de canon. Bon, à la fin de mon allocution. À la fin de quoi? De mon discours, crétin. Naturellement, tout le monde crie « Hurrah !» Et là-dessus... Boum, 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 boum! Très bien, je fonce! Un instant, après quel mot doit-il tirer? Je ne suis pas un imbécile. Et maintenant, allons préparer mon allocution à l'empereur! Thank you.
Allez vite en place. Sa Majesté est annoncée. Où est Léopold? Il arrive. Ah. Majesté, vous êtes grand et moi petit. Merci d'être descendu de la terrasse de votre palais sur la terrasse du Cheval Blanc. Bon, vous ne le regretterez pas, Majesté. Vous allez être aux petits oignons ici. Non, enfin, je veux dire que chacun de nous fera ce qu'il pourra. J'ai pas dit au moins. J'ai dit pourra, idiot! Tout ce qu'il pourra! Cessez le feu! Ah. Alors, je reprends. Suprême Seigneur Piccolo! Mais pourquoi êtes-vous si ému, mon bon ami? Je voudrais bien vous y voir, vous, si vous étiez devant un empereur! Ah, c'est lui que je vois tous les matins me regardant dans la glace. Pas compris? Ah, j'ai pas compris. Intermède? Prête. Mais. Interprète de nos populations assemblées, nous vous présentons notre patriotique bienvenue! Exactement ce que je voulais dire! Je vous remercie, mon bon ami. Gloire à notre empereur! Gloire à notre empereur! Hourra! 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 Et il faut que je vous dise encore quelque chose, Majesté. Il se passe de jolies cochonneries dans cette maison. C'est une femme sans foi, Majesté, ma patronne. Une dévergondée. Mais lâche-moi! Et je vous donne même le conseil de ne pas se mettre les pieds, moi, dans son cheval blanc! Raconte n'importe quoi, mais j'ai l'habitude avec mes ministres. Je suis très flatté d'être invité dans votre magnifique et traditionnelle demeure. Je crois que mon impériale présence procurera de la joie à toute la population. Oh oui! Thank you.
toi, la seule qui m'enchante. Oh, ne sois pas méchante. Daignez passer une bonne nuit dans mon hôtel du Cheval Blanc. Excellent, bon enfant. Un peu de gymnastique, ça fait du bien à tout le monde. Dites-moi, monseigneur, vous ne me gardez pas rigueur de cette sotte histoire d'hier. Mon maître d'hôtel, vous savez, ce Léopold, Il est très amoureux de vous. Oh, mais non, il est toqué. Il est toqué de vous, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est trop bête, hein? Ah non, mais pas du tout, pas du tout. Moi, je le comprends fort bien. Vous savez, si j'avais quelques années de moins, je vous dirais... Vous êtes un type dans mon genre. Oh, majesté. Mais vous êtes charmante, fort plaisante. Mais voilà, figurez-vous que mon plus fidèle client est un jeune Français, un avocat de Paris. Oh, celui-là, c'est le charme même. Toujours souriant, toujours gracieux. Oh, et il parle avec une éloquence, une facilité. Oui. Et alors ? Et alors, je me disais naturellement que lui, enfin qu'il me... Parce qu'entre nous, c'est très... mais malheureusement, il y a une autre femme, alors je ne sais pas si c'est juste... ou si c'est vraiment... Et puis par ailleurs, il y a Léopold. Mais évidemment, Léopold, il est très... Mais il me fait rire. Et puis avec lui, tout est simple. Alors du coup, c'est compliqué. Vous comprenez, Majesté? C'est un peu confus, tout ce que vous me racontez. J'ai l'impression d'entendre le rapport de mon président du conseil. Oh, excusez-moi, Majesté, j'ai tort de vous importuner avec mes petites histoires. Ouais. Vous avez déjà fort à faire avec les vôtres dans votre politique, bien sûr. Évidemment. La politique, c'est quelque chose de très, très sérieux. De très ennuyeux aussi. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Hein? Oui, easy. Voyez-vous, quel est votre prénom? Josépha, Majesté. Voyez-vous, chère Gladys, quand j'étais un petit enfant, un bambin, un bambino, je pensais à un avenir radieux. Je pensais, j'avais des pensées,
des rêves merveilleux et le destin en a décidé autrement. Me voilà empereur. Évidemment, on fait ce qu'on peut. Hein. La vie des hommes est moins belle que leurs rêves. Ah, c'est vrai ce que vous dites, Majesté. Ainsi va la vie, hélas. Mon corps de jeune et faible, si longtemps désirable, n'est plus qu'un monceau de chair, pantelant, lamentable. Au fil des ans, j'ai vu s'effriter mes attraits. Il ne me reste plus que ma gloire, mes succès. Oh, bonheur d'être aimé par un public soumis, d'être un empereur qu'on acclame à grands cris. Comme il n'est pas facile d'être un dictateur, censurer les gens, étouffer leurs pleurs, voir la pauvreté de tous ces cancres-là, marcher devant eux en mangeant du foie gras. J'ai rêvé jadis d'un pays de cocagne que je n'ai pas construit. Je buvais du champagne. Ma vie est un discours de fin politicien que le pouvoir transforme en de féroces chiens. Mais cette ville engeance, si l'on y réfléchit, ne mérite rien d'autre qu'une coloscopie. Une avec un gros tube de plusieurs décimètres et dûment fluidifié au piment d'Espelette. Serai-je bientôt donc la cible d'un assassin, d'un révolté hongrois? Hongrois, on n'en sait rien. Ainsi va la vie, hélas. Ainsi va la vie, ainsi va là, ainsi va, ainsi. Oh. Hein? Oui, oui, vous avez raison. Il faut que j'aille me vêtir convenablement. Bien sûr, Majesté, oui. Hein? Vous savez, il y a la naissance et il y a la mort. Mm-hmm. Si entre les deux on fait quelque chose, c'est mieux. Majesté, permettez à un modeste valet de vous souhaiter une mirifique journée. Oui, non, mais je n'ai pas de monnaie, merci. Bah, ils n'attachent pas leurs choses avec des saucisses, les monarques. Vive la République! Oh, espèce d'effronté! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Oh, c'est encore Léopold qui t'a mis ça dans la tête, je le sais. Mais Léopold, lui, je suis sûr qu'il vous aime. Pas comme votre chère Florès qui roucoule avec sa jolie Sylvabelle. Florès et Sylvabelle? Souvent nous tendons les mains, nous croyons
au-dessus du niveau de la mer, dans les montagnes, au milieu de tous ces ours blancs. Les ours blancs. Mais attention, Clara, les ours blancs, et ils sont très féroces. Oh, le Célestin, que j'ai soif! Donnez-moi encore un peu à boire! Tiens! Oh, le Célestin, mais quel dommage que je zozote! Ah, mais oui, mais ma Clara, avec moi, vous ne zozoterez plus! Répétez après moi, je t'aime! Non! Allez, y a pas le moindre S dans je t'aime. Je t'aime. Non. Allez, c'est simple. Je t'aime. Non. Allez, mais je t'aime. Oh. Et moi donc, cher Célestin, que visage de sang sans faire rien sur quoi. Oh non, mon manteau. Mais qu'est-ce que c'est que fait peur. Bonjour, madame. N'ayez crainte, c'est uniquement pour me protéger des yétis. Des yétis? Oui, des yétis, oui. À votre place, je ferai attention. Et ils sont d'une férocité. Ah bon, merci du conseil. Au revoir, monsieur. Non, partez pas si vite, demoiselle. Écoutez, vous permettez. Allez, voilà. Dites, vous êtes d'une élégance, vous, hein? Oh, vraiment? Merci, ah, bien oui. Aimable. Vous n'êtes certainement pas de cette campagne d'arrière et... Vous êtes de la ville, vous. Ah oui, plutôt. Allez, au revoir, monsieur. Permettez. Dites, vous avez vu cette réception? Mais quelle réception? Enfin, qu'ils ont fait, là. Alors, empereur. Ah, l'empereur? Ouais. Ah, oui, je l'ai vu. Vous dites que c'était ridicule, hein? Ah, vous trouvez? Enfin, écoutez, vous qui avez l'air d'une femme intelligente. Oh, franchement, des gens qui se mettent à plat ventre comme ça, comme des estrasses devant un empereur, avouez que c'est ridicule, non? Ah, vraiment? Bon, qu'est-ce que c'est un empereur? C'est un homme comme vous et moi, hein? Exactement. Et peut-être plus couillon que vous et moi. Je vais vous dire, moi, je suis républicain. Oui. Oh, oh. Et dans mon pays, nous en avons tâté aussi de l'empereur. Hein? Et pas de harcèlement. Ça nous a pas tellement réussi. La République, ça marche aussi? La République, quand elle est en marche, ça marche pas trop non plus. Si, un conseiller vient d'arriver et cherche votre majesté. Si. Ah. Cyril a appelé l'autre babouette. Si, il vous a dit. Si. Non. Mais non.
Vous êtes Saint-Cyr ? Sa Majesté ? Non, vous êtes l'empereur ! Je m'excuse de vous demander pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Oh, mais fan de chichon, mais moi je ne pouvais pas deviner qu'un empereur allait se promener comme ça. Comment comme ça ? Comme ça, tout nu, tout seul. Oh. Vous voyez que c'est très instructif. Oh, écoutez, je prie votre royalty de bien vouloir excuser ma faute. Non, ne vous excusez pas. J'ai été ravi de bavarder avec un républicain. Merci, sa Majesté. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, Majesté. Et vive l'empereur. Et vive la République. Oh, fan de Dieu, si je raconte ça à Marseille, ils vont encore dire que j'ai bouffé les petits champignons. Alors, oh, fan de Dieu. Allons, madame, donnez-moi vite mon certificat qu'on en finisse. Oh, est-ce que vous êtes pressée? Je vous préviens qu'il n'est pas bien brillant. Oh, je m'en doute. Adieu et bonne chance. Adieu. Et bonne chance. Vous avez dit quelque chose ? Moi ? Non. Ah, je croyais. Vous m'en voulez ? Léopold, lisez votre certificat. À quoi bon ? Je sais ce qu'il y a dedans. Mais lisez-le, vous dis-je, tout de suite. Congédié. Comme maître d'hôtel, pour s'être insupportablement mêlé de mes affaires personnelles. Ce n'est pas vrai ? Continuez, Léopold, continuez. Enragé. Ce que vous écrivez mal. Engagé le jour même. Engagé ? Engagé pour sa vie entière comme mari de l'hôtelière ? Mais alors, je suis ton Léopold et tu es ma Joséphine ? Oh, mais ne criez donc pas comme ça, Léopold. Attention, maintenant, regarde-moi. C'est moi, le cheval blanc, et un pur sang même. Oh, sais-tu que tu es effrayant, tu me fais peur. Qui est d'accord ? Eh bien, ce sont les épanchements de l'amour. Oui, mais pour aller s'épancher ailleurs. Je suis bien d'accord, oui. Mais dites-leur quelque chose. Une minute, j'ai pas fini. Bon, ça y est, cette fois, c'est fini la salade de museau. Il serait temps de passer au souper de fiançailles de ma fille. Hein. Monsieur Bistagne, nous allons vous préparer une de ces bouillabaisses que nos enfants et petits-enfants parleront encore. Très bien. Ouh, les enfants, on le dit, nous avons le temps d'y penser. Hein. Eh bien, pensons-y tout de suite. Voilà, je vous dis, la bouillabaisse. Alors, vous prenez les oignons. Messieurs, permettez-moi de vous présenter un couple de gentils fiancés tout frais éclos. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais papa ! Ce jeune français si charmant. Mais papa ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est, monsieur ? Espèce de voyou, je vous charge d'organiser les fiançailles de ma fille ? C'est bien ce que j'ai fait, monsieur Bistagne. Comment ? J'ai l'honneur de vous présenter ma fiancée. Enfin, de vous demander la main de mademoiselle, votre fille. La main de ma fille ? Jamais de la vie, la main de... Même pas une doigt, hein ! Même pas un ongle, je te donne ! Alors, mon petit, mon cher, mon beau, mon grand papa, puisque tu finiras par dire oui, dis-le tout de suite. Mais voilà encore une chose qui ne serait pas arrivée à Bandol. Ah, papa ! Mais pas si vite. Et notre procès ? Alors, tranquillou, bilou, mon bistou, plus de problème, hein ? Mon papa retire son brevet, et moi je lance un nouvel article dans le magasin. Robe de mariée avec ouverture instantanée. Ouverture par derrière, très bien. Moi je continuerai à déboutonner par devant.